Hello, hello. Bonjour à tous. Toujours un petit moment gênant au début d'un live stream où tu sais pas si les gens te voient, tu sais pas s'ils t'entendent. Salut Mallory, salut Adrien, salut Benjamin. On va attendre un peu que tout le monde arrive, on Ouais, débarque. on se laisse 2-3 minutes. N'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire du coup dans le chat pour nous faire un coucou et qu'on voit. On voit qui est connecté. Ah. On a le grand, le seul et l'unique Glenn Vigouroux. Ah, ça fait plaisir. Alexandre aussi. Alan. Oh, Alan, ça fait un bail. Comment ça va? C'est vrai que du coup, à la régie, du coup, on a Thomas et Anthony. Donc Thomas qui a setup le live et Anthony du coup qui va s'occuper de la modération. Donc Magnifique. voilà. Donc s'il y a un problème, n'hésitez pas à crier Anthony, ça marche pas. Il va s'occuper de tout régler. Yes. Et c'est aussi lui qui s'occupera de récupérer les adresses mail et les questions pour ceux qui pourraient en avoir. Et on centralisera tout ça, mais on reviendra sur le déroulement du webinaire dans 2 minutes. Le temps de voir si on a d'autres personnes qui se connectent. Et pour répondre à ta question, tout va bien, Alan. Ça va très bien. Du coup, tu vas pouvoir avoir une petite séance de rattrapage. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Tu vas voir où on en est et ce qu'on fait chez Tirfest. C'est cool. Ok, bon. Bon, un petit coup et on est parti. Allez. Je te laisse prendre le slide. Cool. Parfait. La thématique du jour, créer des contenus engageants dans la food sur les réseaux sociaux en 2022, puisque c'est un petit peu notre spécialité chez Tirfest. Donc on sera tous les deux pour animer le webinar. Donc là, vous avez une belle photo de moi à l'époque où j'avais encore des cheveux. Et une belle photo de Benjamin à l'époque où il avait encore des cheveux. Donc brièvement, une présentation très rapide. Donc moi, c'est Thomas, je suis associé cofondateur et directeur général de la structure. Je travaille, j'ai le plaisir de travailler au quotidien avec Benjamin, Glenn et toute l'équipe. Et donc Benjamin, je te Du laisse coup, te moi, je suis présenter. directeur de création au sein de l'agence, donc je m'occupe en amont sur la réflexion des contenus et après, j'accompagne les équipes et notre pôle création dans la réalisation du coup des belles idées pour toujours plus s'engager et réaliser de belles campagnes. Yes. Et donc c'est nous qui allons animer le webinaire d'aujourd'hui. Quelques règles sur ce live, règles qui n'en sont pas vraiment, mais juste des petits éléments d'information. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Par rapport au déroulement du webinaire, on va essayer de se faire une petite demi-heure de présentation sur la thématique du jour et de se garder 10-15 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez à la fin. Pour avoir le support de présentation, comme c'est indiqué, il vous suffit juste de laisser le mail. On vous enverra le replay et le support qui a servi pendant la présentation d'aujourd'hui. Comme le disait Benjamin tout à l'heure, si problème technique, vous pouvez crier, écrire en majuscule, mettre des points d'exclamation, on ne vous en voudra pas. Et Anthony gardera un œil sur tout ça de près. Et on va se parler foot pendant une petite heure. Donc on espère qu'après ça, vous avez prévu un bon repas, parce que si vous êtes sur un sandwich triangle, ça risque de ne pas être très très fun pour vous. Voilà. Je vais commencer sur la partie agence vision et je laisserai la main à Benjamin sur la suite pour la partie plus relative au contenu, puisqu'il vous a mis quelques pépites. On espère que ça vous donnera du grain à moudre et que vous allez repartir avec plein d'éléments de réflexion. Donc on va commencer rapidement sur présentation de l'agence et puis notre vision des réseaux sociaux chez Tirfest. Tirfest, qui est Tirfest? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est donc une agence qui a 3 ans d'existence. Aujourd'hui, on est 21 collaborateurs. On était 3 il y a 2 ans, on est 21 aujourd'hui. Donc l'agence a beaucoup grandi ces 2 dernières années et on en est très fiers et on est très contents de compter tout ce petit monde-là parmi nous. On a un problème chez Tirfest, c'est qu'on n'arrive jamais à avoir une photo d'équipe à jour. Donc là, sur la photo, vous n'avez qu'une partie des effectifs. Un peu plus de 40 clients récurrents aujourd'hui. Pas loin de 500 contenus créés par mois. Donc, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça se base sur l'étude et l'analyse de tous ces contenus qu'on crée tous les mois. Et j'ai fait un petit calcul juste avant ce webinaire. Je regardais les audiences cumulées qu'on touche aujourd'hui pour nos clients dans la food. Et c'est pas loin de 2 millions de personnes touchées chaque mois sur les réseaux sociaux. Donc, une belle présence et un échantillon d'audience statistique assez conséquent. Donc, on va pouvoir en tirer quelques conclusions intéressantes. Ce qui nous amène à la slide d'après. La recette Tirfest, comment est-ce qu'on a conçu et travaillé sur tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui?
Peut-être un petit mot sur notre mission et sur comment on définit ce qu'on fait chez Tierfest aujourd'hui, qui est essayer de mettre la créativité au service de la performance. Il y a deux composantes dans cette phrase. Il y a un vrai challenge aujourd'hui sur se dire comment on valorise les produits de nos clients de manière créative. Créative aussi bien sur les formats que sur les angles, les thématiques, la manière de traiter les sujets de nos clients. Et jamais perdre de vue qu'on fait des belles images, on fait des belles photos, des belles vidéos, mais on le fait aussi pour générer des résultats pour nos clients, que ce soit en termes de croissance de communauté, en termes de notoriété, de présence sur les plateformes, du nombre de personnes touchées tous les mois, voire pour ceux pour qui on peut le mesurer, de chiffre d'affaires généré sur les sites e-commerce ou autres. Donc, on a vraiment ces deux casquettes qui sont de dire comment on peut faire des choses créatives, mais mettre la créativité au service de la performance. Beaucoup de veille et d'échanges au sein de l'agence au quotidien. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, que ce soit les community managers dans le travail qu'ils font au quotidien sur la rédaction des intentions de shoot, le pôle créa, évidemment, qui sont les premiers à nous alimenter. Et puis aussi et surtout beaucoup de data, parce que la donnée est importante pour nous. On essaye d'avoir des données qui soient les plus objectives et les plus conséquentes possibles pour essayer d'alimenter nos prises de décision et nos réflexions sur quels sont les axes de communication à privilégier, les formats à privilégier, pour essayer d'être toujours plus pertinent dans nos recommandations. Et donc, les recommandations qu'on va vous faire justement, ou en tout cas les idées qu'on va échanger, qu'on va vous présenter aujourd'hui, sont le fruit de la compilation et de l'analyse de plusieurs centaines de contenus sur ces derniers mois. Un travail qui a été en partie mené par Anthony, qui modère le chat, et puis Benjamin et moi sur la partie analyse. Voilà, voilà. Le webinar, comment on s'y est pris exactement pour récolter et compiler ces données? On a demandé à tous nos community managers d'identifier les quatre contenus qui ont généré le plus d'engagement en organique pour chaque compte client dont ils ont la charge. Pourquoi quatre? Parce qu'en fait, à un moment, il fallait qu'on puisse avoir quelque chose qui ne nous prenne pas 15 ans à analyser. Mais eux ont quand même compilé un certain nombre de data. Et on s'est servi de tout ça pour émettre des hypothèses de travail sur la base desquelles on essaye de travailler au quotidien, pour faire évoluer nos recommandations stratégiques pour nos clients et pour en tirer les conclusions qui s'imposent. Donc, ce qui nous amène à une conviction profonde chez Tierfest, qui est que pour nous, les marques de demain doivent penser leur communication comme des médias. Je vous explique pourquoi tout de suite. L'idée, c'est plutôt de se dire que... si tu peux passer la slide après, peut-être. Pourquoi on fait ce claim-là et pourquoi on a cette prise de position aujourd'hui? Parce que sur la base de l'étude qu'on a pu faire du fonctionnement des algorithmes sur les différentes plateformes, on sait aujourd'hui, et c'est de notoriété publique, que les algorithmes favorisent les contenus qui génèrent de l'engagement. La notion d'engagement, elle peut prendre différentes formes en fonction de la plateforme. Les algorithmes sur YouTube prendront pas en compte forcément les mêmes KPI, les mêmes indicateurs de performance que les algorithmes d'Instagram ou de Facebook. Mais cette notion d'engagement, quelle que soit la forme qu'elle prend, c'est un moyen pour l'algorithme de évaluer l'intérêt et la pertinence d'un contenu par rapport aux attentes des utilisateurs. Il faut bien se rappeler quand même que l'enjeu des plateformes aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur la plateforme, parce que plus les utilisateurs passent de temps sur la plateforme, plus les algorithmes sont en mesure de leur pousser de la publicité. Donc, ce qui est important pour l'algorithme, c'est de pousser à l'utilisateur du contenu qu'il va juger pertinent, avec de la valeur ajoutée et qui lui sera utile ou qui va répondre à ses attentes. Donc nous, c'est un des indicateurs sur lequel on se base et qu'on regarde assez régulièrement pour savoir si le contenu qu'on propose, les hypothèses qu'on a formulées sur les attentes de notre audience cible sont avérées. Est-ce qu'on le voit? Est-ce que ça génère de l'engagement? Et si oui, on sait qu'on est sur le bon créneau. Ce qui nous amène à avoir une réflexion aujourd'hui en termes de recommandations stratégiques pour les marques qu'on accompagne, qui est de dire penser la création de contenu comme un média ou comme un influenceur. Pourquoi? Parce que, pour rappel, les médias et les influenceurs ne gagnent de l'argent que s'ils sont à la tête de communautés qui grossissent et qui sont engagées. Donc, ils sont quand même pas ces maîtres dans l'art de se poser la question de savoir comment est-ce que je peux apporter un maximum de valeur ajoutée à l'utilisateur final. Et c'est cette métrique-là, ces considérations qui vont alimenter leur réflexion quand ils se posent la question de savoir quel contenu créer, pour qui, à quel moment et comment le diffuser. Donc, nous, on a essayé de prendre la même philosophie et de l'appliquer à la communication de marque en se disant, avec les contraintes, les enjeux qui sont les nôtres, les produits, les services qu'on doit valoriser au quotidien, comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter de la valeur ajoutée à l'utilisateur final pour essayer de faire en sorte qu'on puisse générer de l'engagement, du coup, que notre contenu soit de plus en plus visible en organique et comment on peut faire pour générer de la croissance en organique sur les comptes des marques qu'on gère au quotidien. Et donc là, je passe la main à Benjamin pour cette question qui vous a amené
chez nous aujourd'hui, comment valoriser les produits et services de manière créative? Alors, comme le disait Thomas avant ça, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va analyser aujourd'hui, ça part de notre data, de ce qu'on a pu voir à travers nos clients. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est à ce moment-là que vous allez avoir faim parce qu'on va parler de food. Je vais vous montrer des vidéos qui sont cool, qui ont fait beaucoup de vues et qui ont engagé. Donc, c'est des contenus qui sont souvent très gourmands. Donc, soit vous prenez quelque chose à grignoter à côté de vous, un verre d'eau, etc. et vous dites que peut-être c'est le moment aussi de réserver un bon resto pour ce midi parce qu'on va vous donner faim et on va vous donner envie aussi de créer des contenus sur les réseaux sociaux, des contenus food gourmands. Donc, on a créé une méthode Surface. On n'est pas à la méthode Williams, mais clairement, on a créé une méthode qui fonctionne, qu'on a pu tester. Du coup, vous imaginez, hein, 500 contenus par mois, c'est monstrueux. Mais tous ces contenus-là, à chaque fois, on a toujours un regard d'analyse et un regard critique. On se dit, bon, bah, ce contenu, pourquoi il a marché et quel impact il va avoir. Donc, on les améliore et on itère beaucoup là-dessus. Donc, du coup, passer directement. Peut-être laisser Thomas en parler de cette pyramide parce que elle est assez importante et hyper intéressante pour que vous compreniez toute la suite de la stratégie et de notre réflexion chez Surface. Cette pyramide, on l'a construite par rapport aux contraintes que nos clients peuvent rencontrer et puis leurs enjeux aujourd'hui qui est de savoir, j'ai des produits, des services, nous majoritairement des produits parce qu'on travaille beaucoup avec des acteurs du secteur de l'agroalimentaire, que je dois valoriser sur les réseaux sociaux. Et évidemment, le premier truc auquel on pense, c'est de se dire, on va faire une belle photo du produit et puis on va la mettre sur les réseaux et puis ça va nous faire de la base de notre communication. Nous, ce qu'on dit en général, c'est que effectivement, valoriser le produit, c'est le point de départ. Mais déjà, il y a des questions à se poser sur comment on fait pour valoriser ce produit de manière créative, comment on fait pour le transformer, pour le mettre en avant, en créant du contenu qui a de la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et après, comment on fait sur la base de ce premier pilier que vous voyez tout en bas de la pyramide pour créer des strates qui vont nous permettre de venir enrichir la communication de la marque, faire en sorte que la marque continue de prendre la parole indépendamment du produit ou en tout cas pas exclusivement autour du produit qu'elle commercialise. Et donc, on a commencé à multiplier un petit peu les prises de parole sur des angles qui nous paraissent pertinents et on se rend compte effectivement a posteriori que c'est des prises de parole qui engagent. Donc, on a évidemment le produit à travers différents formats, que ce soit de la photo culinaire, des vidéos recettes, on reviendra dessus juste après. Après, on a la valorisation du consommateur pour commencer à mettre de l'humain, valoriser des témoignages, des avis, capitaliser sur la preuve sociale. Après, on va avoir la valorisation des collaborateurs, qui est un autre moyen de remettre de l'humain dans la communication de la marque. Et souvent, ça intéresse aussi le consommateur de comprendre qui est derrière cette marque, qui est-ce qui produit au quotidien les choses que je retrouve dans mon assiette. Et puis, une fois qu'on a valorisé les collaborateurs, que ce soit les salariés ou les fondateurs, il y a une notion qui nous paraît, nous, intéressante, surtout sur les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, c'est la valorisation des partenaires, qui peuvent être notamment, par exemple, les fournisseurs, les producteurs. On a un certain nombre d'entreprises dans notre portefeuille client qui sont des entreprises engagées, qui produisent en local, qui valorisent de la production locale. Donc, nous, ça nous paraît important de le montrer et de le mettre en avant. Et le dernier pilier qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui, qui est la pointe de la pyramide, c'est comment on peut faire pour aussi détourner le produit, le valoriser un petit peu différemment et continuer d'apporter de la valeur ajoutée à l'utilisateur de manière un peu créative et parfois aussi un peu décalée. Donc, c'est ce que fait naturellement un influenceur. Il va chercher à créer un contenu, comme disait Thomas, qui va de plus en plus engager en organique. Souvent, on va souvent parler entre la différence entre le paid et l'organique. Notre objectif, toujours, c'est créer un contenu qui va fonctionner en organique et après qui va être sublimé par une stratégie de paid au quotidien. Donc, pour ça, je suis désolé, ma voix, je l'ai perdue en début de semaine, mais je la retrouve. Du coup, pour ça, on a différents types de formats. Donc, c'est les formats les plus répandus. Ce qui est hyper important, c'est qu'avant de commencer à créer, il faut définir un format. Donc, nous, chez Tierfest, on a cette culture de se dire qu'un format doit faire passer un message, on doit choisir le bon format pour le bon message. Aujourd'hui, par exemple, les formats 1080 par 1080, donc qui est le format carré standard, idéal pour la photographie, idéal pour des créas graphiques classiques, etc. C'est intéressant pour nous. On va plutôt privilégier un format carré ou un format qui prend de la taille en hauteur parce que du coup, il va prendre plus de place sur le feed. Regardez l'exemple hein, typique, un contenu en paysage, du coup, il va prendre ça dans le feed, alors qu'un contenu en portrait, il va prendre ça dans le feed. Donc, c'est hyper important. Et du coup, ben, plus il prend de la place dans le feed, plus il sera vu, plus potentiellement on aura l'occasion de toucher des personnes. Après, on a le format 1080 par 1350. Donc, c'est un format qui est intéressant aussi pour les photographies et les carousels parce qu'il va prendre plus d'espace. Juste, du coup, il faut penser les contenus sur ce format-là tout en ayant le recul nécessaire pour se dire que le contenu dans le feed, par exemple, sur Instagram, il est toujours au carré. Donc, il faut que la photo fonctionne comme au carré, qu'il n'y ait pas d'informations perdues en bas et en haut pour pas que ce soit croppé. Donc, on utilise beaucoup pour les formats carrousel. On en parlera à la fin de la présentation. Et après, on a les deux formats qui sont souvent les formats les plus populaires.
le format, on va dire, portrait en vidéo, donc notamment pour les Reels, pour les TikTok, pour les YouTube Shorts, etc. C'est des formats qui font moins de 60 secondes, qui sont hyper intéressants. Et l'intérêt avec ces formats-là, c'est vraiment que vous puissiez aussi exprimer votre créativité. Et en plus, de manière organique, ils ont une visibilité qui est assez importante. Donc nous, on a pris le pied d'en faire hein, depuis le début. Hein, Tearfest faisait partie des premiers à avoir testé le format pour nos clients. Au départ, on a beaucoup itéré sur le sujet et c'était hyper intéressant. Et après, du coup, il y a le dernier format qui, pour moi, fonctionne assez bien. C'est le format, du coup, 1920 par 1080, qui est le format vidéo classique, dans lequel on va essayer de créer des vidéos à valeur ajoutée. Donc, ils vont être un peu plus longues, plus travaillées, et dans lesquelles on va pouvoir les réutiliser pour différents formats, notamment du pré-roll YouTube, que ce soit de la sponsorisation, etc., sur Instagram ou sur les réseaux. Donc, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va penser par rapport à ces formats, ou potentiellement une journée de tournage qu'on va réaliser, on va savoir comment on peut réussir, par exemple, un même contenu, réussir à le diviser ou réussir à l'utiliser sur les différents formats, différents canaux, etc. Donc, dans un premier temps, on va commencer simple. Aujourd'hui, la base dans la food, c'est les photos culinaires. Comment on va réussir à mettre en scène le produit? Donc, typiquement, là, c'est pour la brasserie de Vézelay, un des clients qu'on accompagne depuis quelques temps. Ce qui est hyper intéressant avec eux, c'est qu'ils ont le côté premium. Donc, vous pouvez le voir hein, directement, avoir créé une DA qui est assez premium avec du bois, du noir, etc. Le produit n'est pas forcément mis en avant, mais on va plutôt mettre en avant une recette. Donc, pour ça, on vous a travaillé un petit document dans lequel, en fait, on va vous expliquer à chaque fois un peu de théorie, des case studies et des pratiques pour chaque pilier qui sont importants pour nous. Donc, le premier pilier qui est essentiel pour nous, c'est comment faire des belles photos culinaires. Donc, avant, on avait tendance à bosser avec des studios de photographes, etc., dans lesquels on avait créé des contenus très aseptisés. On allait mettre en avant très vite le produit, on allait réussir à créer une belle composition, mais rien de très naturel. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, c'est que ben, les gens, quand ils voient le contenu sur leur réseau, ils ont l'impression que ben, ça peut être un influenceur, que ça peut être quelqu'un, et qu'on a quelque chose de très naturel, et ben, à la fois gourmand et naturel, pour que les gens puissent se projeter. Il n'y a rien de pire quand on voit une recette sur Internet et qu'on puisse se dire, ben, en fait, on ne pourra jamais la réaliser parce que ça sent le fake. Ben, nous, ce qu'on fait ben, chez Tearfest, c'est qu'on a vraiment réussi à avoir cette approche de se dire, on fait du vrai, mais on fait du beau vrai. D'ailleurs, on privilégie une lumière naturelle, donc c'est moins artificiel, donc ça donne un rendu, on va dire, plus sympa sur les photos. L'œil humain, en fait, il s'habitue plus facilement à des lumières naturelles. On se rend compte que, en fait, typiquement, la lumière est souvent à droite. Donc, en fait, c'est une zone qui est plus éclairée, qui met plus en avant le produit. On peut le recréer de manière artificielle. C'est juste que c'est beaucoup plus de travail, etc. On le fait aussi pour certains de nos clients. Derrière, on crée des compositions authentiques et naturelles. Donc, comme je l'ai dit en premier, on met l'humain. Hein, vous pouvez le voir, typiquement, on voit toujours quelqu'un en arrière-plan. On essaie de créer des choses qui vont donner envie aux gens. Les gens vont pouvoir se projeter. Et après, derrière, on utilise surtout... Bon, là, c'est un peu la règle de base et je pense que vous l'avez des produits de saison. Si vous le faites pas, c'est le meilleur moyen de recevoir des commentaires qui sont « Mais je trouve pas mon produit chez le maraîcher, comment je peux faire ?» Donc là-dessus, on n'a aucune solution. Mais en fait, vraiment utiliser, il y a des marronniers pour les produits de saison et c'est hyper important. Donc dans le social media, souvent, en fait, on prend un mois, voire un trimestre d'avance sur tous les contenus. Donc il ne faut pas hésiter, du coup, à vraiment essayer d'anticiper au maximum. Utiliser des produits qui seront de saison dans quand la vidéo ou le contenu sera publié. Avec un petit délai, parce que si les gens veulent reproduire la recette, il ne faut pas qu'ils soient bloqués et qu'une semaine après, ils ne puissent plus en fait, la recréer. Et derrière, ce qui est important, et là, ça va être souvent notre vrai job, c'est de créer une direction artistique claire, marquante, pour que quand les utilisateurs voient votre contenu dans le feed passer, ils sachent que c'est vous. Donc avant, on avait un vieux réflexe, c'était de mettre le logo de la marque partout. En fait, maintenant, on se rend compte que ça marche beaucoup moins bien. Thomas en parlait avec les algorithmes. C'est pas terrible parce que du coup, l'algo, il comprend qu'il y a un logo de marque. Du coup, il se dit, oh, bah, tiens, c'est une marque qui veut communiquer. Du coup, on va baisser sa porte organique et on va l'inciter à faire du paid parce que, du coup, il a les moyens de le faire. Donc, nous, on essaie de tricher un peu là-dessus et on va essayer de créer un contenu qui va être, on va dire, plus pertinent et surtout qui va fonctionner avec les standards et les attentes d'Instagram et des autres réseaux. Donc, deux comptes pour lesquels on a pu bosser. Pour qui on bosse toujours, Régala et Cava 20. Donc, je vous laisse regarder un peu le feed. Hein. Vous allez voir, on crée un feed qui est assez bien structuré dans le sens où on a un rythme de publication entre les contenus photos qui sont présents, les vidéos, etc. Ce qui est important, c'est qu'on a créé une DA qui est forte dans le sens où quand on fait des photos avec du mobilier, etc., avec un fond, c'est toujours le même fond, c'est le même bois, même le traitement photo est identique. Pareil pour les éléments graphiques qui sont disséminés. Nous, on n'est pas fervent défenseur des contenus graphiques, mais des fois, ils sont nécessaires, notamment pour les concours, pour distinguer les postes et pour mettre en scène. Typiquement, le dernier, on doit mettre en scène deux loups à faire gagner. Et du coup, c'est quand même important de pouvoir les mettre en avant. On ne peut pas acheter le produit et le mettre dans un fond de photo. Du coup, on va trouver un moyen un peu détourné de le mettre en avant. Et pour Cava 20, pareil, on pourrait se dire, on a juste des bouteilles à photographier.
Et nous, on va aller au-delà. On va trouver des accords mets et vins, donc en collaboration avec nos clients, donc notamment Zoé de Cavarin qui nous aide là-dessus. Si tu nous regardes, Zoé, coucou. Et qui, du coup, nous fait une liste. Du coup, ils ont une équipe en interne aussi qui nous aide. Donc, ils nous présentent du coup une bouteille avec un accord mets et vins. Et nous, après, notre chef chez Tirfest va s'occuper de créer la recette. Et après, notre équipe création de contenu va le sublimer et ça mettre en scène. Un point qui est important, je rebondis sur ce que dit Benjamin, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve sur les deux marques, que ce soit Régalal ou Carava, on est vraiment sur la valorisation de l'instant de consommation. Et ça nous paraissait important, par exemple, sur Carava, on fait beaucoup de pédagogie, beaucoup d'évangélisation autour de l'œnologie, parce que c'est des sujets qui intéressent, mais qu'on ne sait pas souvent par quel bout prendre. Et du coup, c'est vrai qu'on a trouvé des moyens, que ce soit à travers les accords mets et vins, à travers des carousels pédagogiques, on en parlera juste après, d'essayer de vulgariser un peu quelque chose qui, je pense, dans la tête des gens, n'est pas forcément hyper accessible, et toujours avoir cette notion de plus que valoriser le produit, essayer de valoriser l'instant de consommation, parce qu'en fait, on se rend compte que ça parle beaucoup plus aux personnes qu'on cherche à toucher, et que ça permet aussi d'ouvrir les portes sur d'autres types de prises de parole que juste valoriser le produit à proprement parler. Et du coup, nous, ce qu'on fait pour chacun de nos clients pour tout ça, c'est qu'en fait, on définit une DA spécifique. Donc, en gros, ce qu'on fait, en fait, c'est que derrière, on définit avec le client en amont de se dire quelles sont nos attentes. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place de plus en plus, c'est qu'en fait, le produit final, par exemple, là, pour Brasserie des Ailets, la bière, elle n'est pas forcément nette. Ce qu'on va faire, c'est vraiment le focus sur le plat pour le mettre en avant. Mais derrière, il y aura toujours ce clin d'œil, du coup, au produit, donc qui est du coup la bière. On n'aura pas toujours des gros plans avec la bière en plein milieu pour la mettre en scène, etc. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est créer des contenus qui sont ludiques, pédagogiques. Donc, du coup, une recette avec la liste des ingrédients en description, c'est hyper important. On crée aussi des do et don't culinaires. Donc, c'est hyper important. Hein. Typiquement, si on se rend compte que, par exemple, pour des accords pour la bière, il faut absolument qu'il y ait tant de centimètres de mousse pour qu'on ait l'air de passer pour des experts. C'est hyper important, mais ça, il faut réussir à le valider en amont. Et nous, on prend vraiment un temps pour le faire. Parce que voilà, c'est hyper important. Des fois, des photos, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour se dire, cet accord-là, il ne fonctionne pas avec ça. Du coup, on prend le temps et le client à chaque fois de dire d'où et dont plein de choses. Et pareil, pour la mise en avant, de la DA, hein, si il faut mettre en avant quelqu'un qui est tatoué ou non, est-ce que derrière, on peut privilégier du coup tel type de profil, etc. Donc, ça, c'est important. Et toujours le duo gagnant, c'est la bonne description avec la photo. Donc, une belle photo avec une description qui ne marche pas, ça ne sert à rien. On reviendra sur la partie rédactionnelle à la fin du webinaire pour vous donner deux frameworks que vous pouvez utiliser et mettre en pratique directement sur la rédaction des descriptions de photos. Donc, on en reparlera juste après. Carrément. Du coup, on a une partie aussi, c'est les vidéos culinaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui cartonne hein, sur Instagram et sur TikTok et sur YouTube Short. Hein, c'est hyper important. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux formats qui fonctionnent et qui sont moteurs. De façon différente, soit on peut avoir un format qui va être vraiment recette par étape par étape. Donc l'idée, c'est que les gens puissent se projeter et clairement reproduire la recette. Donc là-dessus, sur ce format, en fait, on va vraiment être très descriptif sur tout ça. Et à côté de ça, on a les recettes plus de chef, où en fait, on va être plutôt sur du contenu qui va faire rêver. On sait très bien que on va pas pouvoir donner toutes les étapes pour essayer de réaliser la tartelette, etc. Ça va être trop long. Trop dense. Par contre, on peut faire rêver les personnes avec un contenu qui est percutant et qui peut faire sublimer le produit. Là-dessus, je rebondis sur ce que tu dis, mais la recette de chef, l'ambition, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez aspirationnel. Et je trouve que c'est un format qui contribue beaucoup aussi à positionner la marque. Si on est sur une marque qui a un enjeu d'apparaître comme étant un peu plus premium aux yeux du grand public ou avec un positionnement un peu différent, c'est un bon moyen implicitement de valoriser la marque dans un contexte qui est pas juste de la recette de tous les jours, mais quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Donc, on a vraiment deux approches qui sont différentes. Quelque chose de très pédagogique à reproduire chez soi au quotidien et un contenu qui a plus vocation à positionner la marque sur un segment de marché spécifique. Et du coup, pareil que pour les photos, on garde la même DA pour créer de la cohérence dans le feed. Et derrière, le truc qu'il ne faut pas oublier, souvent c'est oublié, mais en fait, il ne faut pas hésiter. Sur Instagram et YouTube, on peut créer des miniatures. Donc, en fait, on peut quand même faire une belle photo de miniature pour que dans le feed, en fait, on ait l'impression qu'on puisse avoir le moment marquant de tout ça. Ce qui est important aussi dans ces contenus-là, c'est que vous allez voir, on commence toujours par le contenu, la fin des vidéos. Donc, le plan satisfaisant. Parce qu'en fait, on a deux secondes pour essayer ça être assez catchy pour faire que la personne reste sur la recette. Donc, c'est important. Si vous commencez par l'étape, la première étape, etc., les gens ils vont dire « bon, ça ne m'intéresse pas ». Alors que s'ils voient la finalité,
potentiellement, ils vont se dire, ah tiens, cette recette, j'aimerais bien la reproduire. En plus, il ne faut pas oublier, hein, les fonctionnalités de partage, d'enregistrement sur les réseaux sont clés. Voilà, il faut toujours un système de communauté, du coup, à enregistrer et partager les contenus. Donc, les formats recettes fonctionnent extrêmement bien pour ça. Petit exemple pour la FENA, notamment. Donc, on a eu plusieurs idées. Donc, la FENA, qui est la Fédération française des naturopathes. Ce qui est intéressant avec ce client, c'est qu'en fait, on a créé une DA assez healthy, qui a du coup avec un environnement qui est très blanc, une direction très épurée. Et en fait, en gros, on a créé différents contenus. Donc, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent avoir des recettes simples à réaliser, qui sont saines, et derrière, soit avoir des descriptions qui expliquent pourquoi la recette est saine. Donc, on a toujours un côté à la fois utile et pédagogique dans chacun de nos contenus. On a deux recettes qui ont bien popé, qui sont arrivées, donc notamment la recette que vous pouvez voir à droite, hein. Enfin, il ne faut pas non plus faire une recette très complexe pour que ben, ça ait de la visibilité et que ça fonctionne. Ce qui est intéressant avec cette recette-là, c'est que ben, en fait, on est sur un format top view classique dans lequel on fait de l'assemblage avec l'événement avec un peu d'humain dessus. Et c'est toujours ben, ce plan à la fin de dégustation qui donne envie avec un angle un peu différent. Bravo, J.E. Très bonne recette. Donc, si tu nous regardes, Généloïse, bien joué Nicolas aussi, notre chef. Et du coup, là, je vous montre deux types de contenu. Donc, en gros, amusez-vous du coup à choisir si vous voulez faire des formats plutôt en face cam, donc avec quelqu'un qui apparaît, donc de l'humain, etc. Donc un chef qui est en train de cuisiner ou quelqu'un qui est en train de cuisiner, soit du top view ou soit du très serré avec de la visibilité. Donc là, vous verrez un peu toujours la même chose. On commence par la séquence satisfaisante. Après, on peut rajouter des éléments graphiques, hein, notamment pour Jean-Nicolas. On rajoute les ingrédients étape par étape. Donc en fait, souvent on le fait quand les recettes elles sont un peu plus complexes, quand il y a des, on va dire, des volumes à mettre. Par exemple, bah, les dosages, etc. C'est important, notamment en pâtisserie. Et derrière, et bien, surtout, là, c'est un peu la question importante qu'on oublie. S'il y a de l'humain, quelle attitude il doit avoir? Donc, à quoi il va ressembler? Comment ça va être sa gestuelle? Est-ce qu'il doit avoir une gestuelle de chef? Donc, avec des mouvements, avec même des couteaux, des ustensiles qui sont très professionnels, pas forcément trouvables dans le commerce. Ou, à contrario, il faut avoir des ustensiles qui sont disponibles par n'importe qui et tout le monde pourra réutiliser. Donc ça, c'est hyper important. C'est des éléments qui sont peut-être moins flagrants au départ, mais mis bout à bout, toutes ces petites informations qu'on passe implicitement contribuent quand même vachement à positionner la marque. J'en reviens toujours à ça, mais le point de départ, c'est qu'est-ce qu'on cherche à dire, qui on cherche à toucher, et après, de là, on définit message, canal de diffusion, et surtout la forme que va prendre le message. Et ça passe par la composition, le choix des ustensiles, effectivement, comme le disait Benjamin, la manière de filmer, de l'humain, pas d'humain, est-ce que c'est des gens qu'on peut identifier ou est-ce qu'on reste sur des choses qui sont assez anonymes avec juste des mains dans l'image? Et puis surtout, quelle est l'attitude de la personne qu'on va mettre en avant? Parce que tout ça, ça contribue à alimenter le discours de marque, pas forcément toujours de manière consciente pour le consommateur, mais mine de rien, ça envoie des signaux qui permettent de savoir dans quel univers on se positionne. Typiquement, on peut avoir l'exemple du siphon. Siphon qui commence à se démocratiser hein, dans les cuisines de tout le monde, mais en fait, qui n'est pas encore très accessible. Donc, on va plutôt éviter d'avoir des recettes qui ont que du siphon, parce que sinon, en fait, on va vraiment... C'est une barrière à l'entrée, c'est de la friction. Donc, on va potentiellement, du coup, pour des contenus qui vont plutôt être satisfaisants, le siphon, parce que les gens voilà, vont pouvoir le consommer. Et on arrive, du coup, au contenu satisfaisant. Alors, c'est là où vous commencez à avoir vraiment faim, normalement. C'est clair. Donc, bon, il fait un peu chaud aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous, mais pour manger du Mondor. Mais clairement, je vous laisse saliver un peu sur cette vidéo. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de penser à les contenus, c'est que derrière, aujourd'hui, quand vous n'avez pas forcément envie de transformer votre produit et que vous n'avez pas forcément la capacité de le faire, on peut créer aussi des contenus qui sont très satisfaisants. Je prends l'exemple, par exemple, de la vidéo Mondor, c'est pour Cava 20, dans laquelle, en fait, on voulait créer une association du coup, de dégustation avec du vin blanc et un Mondor. Mais en fait, finalement, on a juste pris le produit, on l'a mis au four avec un peu de miel et derrière, on a réussi à créer une séquence satisfaisante. En description, on avait toujours un peu les étapes pour le temps de cuisson, etc. du Mondor pour qu'on ait vraiment la texture crémeuse. Et à côté de ça, vous avez un contenu qui est vraiment gestuel de chef. Donc, c'est ce qu'on disait avant. Voilà, c'est un contenu qui est moins accessible. On ne va pas montrer les étapes de la création de l'éclair, etc. Par contre, on va vraiment réussir à souligner la gestuelle ou des contenus qui sont fascinants et qu'on va pouvoir regarder. Voilà, on est tous restés bloqués quelques secondes sur des contenus sur Instagram, comme sur TikTok, hein, on commence à scroller et en fait, on n'en finit jamais. Mais souvent, c'est ces contenus-là qui réussissent à nous accrocher. Et aussi, du coup, c'est aussi un bon moyen de donner vie à une idée photo. Des fois, on peut avoir une bonne idée photo, mais on peut se dire, on a bien aller un peu plus loin. Donc, juste avoir une main qui va piquer dans l'assiette ou quelqu'un qui va croquer dans un burger, et c'est un contenu qui va marcher, qui va impacter, qui va donner faim et qui va donner envie.
Et souvent, du coup, les réels, hein, souvent pour ça qu'on en abuse, mais à bon escient, c'est parce que c'est des contenus qui ont une bonne visibilité en portant organique, donc quelque chose que je rabâche tout le temps. Mais du coup, c'est hyper intéressant pour vous. Donc, comparé à des photos, on a plus de visibilité. Donc, voilà, c'est intéressant quand même de les décliner là-dessus. D'autant plus pertinent que cette course un peu à l'organique sur les vidéos au format portrait, sur du format court, c'est quelque chose qui se généralise. On voit que toutes les plateformes se tirent un peu la bourre pour savoir qui va prendre le lead là-dessus. Les Reels, c'est Instagram qui réagit à la croissance de TikTok. TikTok qui va sur des formats de plus en plus longs pour essayer de concurrencer YouTube. YouTube qui sort les shorts, format pareil très court au format portrait pour essayer de prendre sa place aussi dans tous les enjeux qu'il y a autour de la consommation du contenu court. Donc avoir cette réflexion aussi de se dire qu'est-ce qui se généralise en termes de format sur les différentes plateformes et le temps, l'effort qu'on va passer, l'énergie ou les ressources qu'on va mettre à créer du contenu, comment est-ce qu'à un moment on peut essayer de le valoriser sur différentes plateformes, que ce soit en se disant en publiant en Reels sur Instagram, sur TikTok, au format short sur YouTube, et pour essayer de voir où est-ce qu'il y a des opportunités aussi d'être visible sur des plateformes qu'on n'investissait pas forcément avant, sans pour avoir à recréer des nouveaux chantiers ou des nouvelles prises de parole avec des nouveaux formats, mais plutôt de se dire comment on peut décliner sur différentes plateformes pour être présent un peu partout et avoir ce côté omniprésent et bénéficier de la portée organique de tous ces formats. Du coup, vous l'avez bien compris, il faut tester. Du coup, on va vous donner quand même pas mal d'astuces de format ou de contenu à créer ou à tester. Et ça qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que derrière, en fait, il faut tester tout le temps et potentiellement il y a une nouvelle fonctionnalité qui vont arriver. Il y aura d'autres choses à faire aussi. On a des contenus qui sont orientés sur l'humain. Donc, comme le disait Thomas dans la pyramide Tirfess, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de se limiter aux produits, mais c'est aussi de valoriser l'humain qui se cache derrière. Donc là, je prends l'exemple du coup une personne qui travaille dans le LinkedIn du coup de MyPie, un de nos clients. Derrière, en fait, c'est hyper intéressant de pouvoir voir le process de fabrication. Souvent, les entreprises ou les marques ont peur de montrer le côté usine. Mais en fait, aimer finalement avoir un beau portrait d'une personne avec un process qui est simple et qui montre l'envers du décor, ça reste très intéressant. Et en fait, finalement, ça donne de l'humain au projet. Alors du coup, j'ai trois contenus à vous présenter. Du coup, une personne qui bosse du coup chez Brasserie Bretagne, donc pour la marque Saint-Arouane. En fait, on s'est dit que les portraits d'équipe, comment on pourrait les valoriser? À la place d'avoir des gens qui sont statiques derrière leur écran, on s'est dit, bon, on allait faire que chaque personne boive une bière. Donc, c'est loi et vin parce que ce sont des professionnels. Les professionnels ont le droit de boire des bières sur les réseaux sociaux. On a aussi en bas, du coup, on a passé, Glenn et Tom ont passé une journée en mer sur les chaluts pour la pêche à la coquille Saint-Jacques. Sacrée expérience, hein. Ils ont failli vomir quelques fois pour le bien de nos photos. On a un budget mer calme chez Tirfess qui est un peu trop élevé à mon goût, mais bon, c'est pour le bien de l'équipe, alors on va devoir faire avec. C'est ça. Et en fait, du coup, eh bien, ce qui est intéressant avec ces contenus, c'est qu'en fait, on va être sur des instants de vie, des contenus très lifestyle, avec une expérience où, en fait, on va être sur de l'humain. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur du reportage photo. Et c'est des contenus qui peuvent être très intéressants et qui, souvent, engagent beaucoup plus. C'est au global, on se rend compte que c'est des choses qui sont assez dynamiques. Bon, après, on a des petites méthodes chez Tirfess pour essayer de faire en sorte que les gens se décoincent un peu, parce que la complexité de ça, quand on arrive sur un site de production ou dans les bureaux d'une boîte, c'est que souvent, ouais, ok, il faut que je sois pris en photo. Les gens peuvent le vivre comme une contrainte, donc il faut vraiment essayer de réussir à rendre la chose ludique pour avoir quelque chose qui soit assez dynamique et puis montrer que les gens sont contents d'être là, tout simplement. On le dit aussi parce que moi, je trouve que ça a de l'intérêt sur plusieurs dimensions. Benjamin en parlait, c'est des contenus qui engagent plus, hein, on le voit statistiquement, c'est presque 2 fois plus d'engagement sur les contenus où on a une personne qui est identifiée par rapport à des contenus où on met juste en avant du produit. Je trouve qu'il y a une notion de transparence aussi, comme le disait Ben, des fois donner à voir les coulisses de la fabrication des produits, ça a du sens parce que ça vient légitimer un discours de marque, ça montre qu'on n'est pas justement que dans le discours, mais on est aussi dans la preuve en venant illustrer avec des portraits ou la mise en avant des collaborateurs sur leur lieu de travail. Et puis, c'est plus facile de raconter des histoires parce que quand on fait le portrait d'une personne, on ne l'invente pas. On va passer du temps avec cette personne-là. On va essayer de comprendre quel est son parcours au sein de l'entreprise, comment on peut le valoriser, ce que ça dit aussi de la politique de l'entreprise sur la valorisation des salariés. Donc, c'est l'opportunité de faire d'une pierre 3 coups, entre guillemets, créer de l'engagement, avoir des contenus qui sont dynamiques, sortir de la valorisation de produits et pouvoir donner aussi l'opportunité à la marque de s'exprimer sur ses valeurs et puis véhiculer un peu une image de transparence aussi qui nous paraît importante aujourd'hui par rapport aux attentes des consommateurs sur ce qu'ils peuvent retrouver sur les réseaux sociaux. Du coup, la data clé que dit Thomas, c'est que les contenus humains engagent beaucoup plus sur les réseaux. C'est pour ça qu'on essaie de glisser de temps en temps des mains sur quelques photos culinaires, mais aussi les portraits sont hyper intéressants pour ça.
C'est le contenu qui génère plus de commentaires. Data qui est assez simple, hein, le classique, c'est qu'en fait, eh ben, une fois qu'on valorise un salarié ou quelqu'un, un collaborateur dans son équipe, finalement, il y a tous ses amis, tous ses contacts qui vont potentiellement commenter le contenu. D'ailleurs, on va avoir un taux d'engagement et une portée qui va être beaucoup plus forte. En plus, pour le sentiment d'appartenance, c'est hyper important. Donc voilà, donc il ne faut pas vraiment passer à côté de ces contenus-là qui sont clés. Et après, voilà, il faut faire confiance à des agences comme la nôtre pour réussir à valoriser chaque profil et à réussir à faire qu'on va faire des belles photos pour que tout le monde soit content de les partager et les diffuser. D'autres contenus qu'on a créés, notamment du coup pour Réseau Le Sein à gauche, du coup c'était des portraits, c'est pour le groupe Le Sein même, des portraits du coup de collaborateurs. Donc l'idée c'était de pouvoir échanger avec eux, leur poser des questions sur le groupe, des questions à la fois ludiques mais aussi très professionnelles. Vous pouvez le voir avec le début. L'objectif c'est vraiment de pouvoir parler de Réseau Le Sein mais avec une pointe d'humour pour créer un contenu qui reste divertissant. Il n'y a rien de pire quand on crée des contenus ou des formats interview dans lesquels en fait la personne va être très sérieuse du début jusqu'à la fin et en fait du coup ça va pas être une bulle de respiration. Sur les réseaux sociaux, on essaye toujours d'avoir le juste milieu entre la valeur ajoutée à donner et aussi le côté suffisamment divertissant pour créer une expérience. Moi ce que je trouve intéressant c'est que aujourd'hui il faut vraiment avoir le juste milieu entre les deux, donc je dirais deux tiers de valeur, on va dire trois quarts de valeur ajoutée pour un quart de divertissement, c'est important. Et à côté de ça du coup on a d'autres contenus, notamment du coup une belle aventure en haut avec en haut à droite avec Pierre Chomet. Donc Pierre Chomet qui est un des anciens candidats de Top Chef, qui est un chef assez réputé, même très réputé, avec qui on a été en mer pêcher avec Coquille Saint-Jacques. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez pas le voir la vidéo en entier, parce qu'on pouvait mettre que juste un extrait. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on a créé une expérience de A à Z. Donc le matin, on va avec Pierre pêcher avec Coquille Saint-Jacques, et après, on se retrouve dans son restaurant dans lequel il va pouvoir cuisiner la coquille. Donc en fait, on a créé une expérience de A à Z, ce qui a permis d'une de pouvoir montrer à la communauté de Pierre, comment ça fonctionnait, comment le produit, ce produit noble pouvait être mis en avant, et à côté de ça, du coup, comment un chef peut le transformer et le mettre en scène du coup dans un plat. C'était hyper intéressant et du coup, ça a généré une bonne visibilité. Et en plus de ça, comme disait Thomas, hein, ça a positionné la marque comme une marque premium, d'ailleurs qui est vraiment le produit des chefs. Et si on veut être un chef dans sa cuisine, il faut cuisiner des coquilles Saint-Jacques. Et en bas, du coup, je vous présente Ludo, qui est patron d'un restaurant, du coup, qui est partenaire, du coup, de notre client Pouletok, et en fait, chez qui on va pour réaliser des recettes. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est le format où, au début, Ludo, il prend la parole. Il communique, il va donner la recette, il va réussir à imposer un ton et expliquer qu'est-ce qu'il va faire. Et après, il enchaîne dans la création. Donc, il n'y a pas de voix off. Derrière, il enchaîne sur sa préparation, il est dans son environnement. Et à la fin, il présente une bonne recette. Hyper intéressant avec Pouletok, c'est qu'on est sur une marque qui fait du food service. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner la parole du coup à des restaurateurs, parce que c'est eux les principaux intéressés, et derrière qu'ils puissent partager à leur réseau. Donc voilà, ils sont fiers de bosser avec Pouletok et de commander des produits Pouletok. Et du coup, potentiellement, leurs collègues restaurateurs, etc., pourraient être aussi intéressés. Donc, très, très pertinent comme format. Donc, c'est trois contenus vidéo. Il faut savoir que les contenus vidéo comme ça, souvent, c'est des contenus plus longs à produire. Donc, il faut prendre plus de temps, plus de moyens, et être prêt, du coup, à vraiment bien les travailler en amont. Bon, vous voyez, hein, vous le sentez venir, on commence à s'éloigner du produit. Au départ, on était sur des contenus photo-culinaires, très focus sur le produit. On commence vraiment à en sortir, parce que, comme disait Thomas dans sa pyramide, c'est hyper important aujourd'hui de ne pas communiquer que sur le produit. Donc, je vais vous montrer quelques exemples complémentaires. Donc, on a les contenus humoristiques, donc sur les réseaux sociaux. L'humour, ça reste le truc le principal et assez important. Disclaimer, aucune bière n'a été maltraitée pendant ce shooting, je tiens à préciser. C'est clair. On peut voir qu'elles sont toutes fermées. mais du coup, en fait, on crée des contenus comme ça humoristiques avec de l'humain. On n'est pas forcément obligé de passer par de la vidéo. Donc, quelques exemples, hein, notamment pour à gauche, du coup, une vidéo format réel avec pour Amordelis, un de nos clients, qui a généré 14 000 vues. Au moment du lancement du compte. Hein. Juste une précision qui a son importance. On était à une époque où la communauté de la marque sur Instagram était très, très, très petite parce qu'on venait de lancer le compte. Et donc, ça montre le pouvoir un peu des contenus en organique qui capitalisent, on va dire, sur des sujets ou des leviers qui parlent et qui répondent aux attentes de l'audience sur la plateforme. En 10 petites audiences, on avait 200 abonnés. On a réussi à générer 14 000 vues. Donc, chose près. Ouais. C'est assez important. Là-dessus, il faut vraiment fonctionner sur des traits d'humour. Donc, Amordelis, Marc Breton. Du coup, en fait, on n'a pas forcément mis en avant le produit. On n'a pas du tout mis en avant le produit. On a parlé aux Bretons.
ce qui était important, c'est qu'en fait, on réussisse à s'associer, du coup, avec une culture, donc la Bretagne, et derrière, qu'on combatte un peu les clichés et qu'on s'en amuse. Donc là, c'est important aussi, aujourd'hui, quand on fait des contenus humoristiques, on a envie toujours de valoriser le produit. On n'est pas obligé. Donc, je fais une petite transition. Il y a Armoire d'Hélice, où derrière, on ne met pas du tout en avant le produit, on ne met pas en avant de Madeleine. Après, on a Roxane, du coup, avec Café Coïc, dans lequel, en fait, le produit est un accessoire dans la vidéo. Donc, en fait, on le voit, hein, c'est quand tu as mis trop de beurre sur ta tartine. Quand on te dit ce message-là, ta réaction, en fait, le tasse de café, elle est juste présente pour marquer le coup. Voilà, ça peut aussi remplacer le bon vieux logo en haut à droite du poste. Et en bas, du coup, Thomas qui est en train de déguster sa bière. Donc là, on met vraiment en avant le produit, mais toujours avec une description qui est drôle et un peu plus fun. Donc pour ça, les conseils clés que je pourrais vous donner, c'est de surjouer toutes les réactions. Si vous voulez qu'il y ait de l'impact, si vous n'êtes pas dans le surjeu, ça n'a jamais marché. Voilà, on n'est pas. Ça aide aussi à faire passer le fait qu'on est dans la caricature. Le risque, si on n'a pas l'opportunité de faire prendre la parole à la personne qui joue dans la vidéo, ça peut être que ce soit interprété comme étant premier degré ou des choses comme ça. En passant par le fait de surjouer les expressions, etc., ça nous permet aussi tout de suite de positionner le contenu et de comprendre quel était l'objet de la prise de parole assez rapidement, quoi. Ouais, et en fait, du coup, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est le fait où ça va être plus simple parce que si on doit surjouer, on n'a pas tous fait les cours Florent. Et du coup, en gros, ce qui est important, c'est vraiment le surjeu, c'est le truc que tout le monde peut maîtriser dans vos équipes, etc. Il faut juste essayer à créer un bon storyboard. C'est pour ça que je vous dis, pas forcément besoin de faire que de la vidéo, on peut faire aussi de la photo. Autre chose qui est importante, c'est toujours de valoriser de manière positive le produit. C'est quelque chose qu'on peut très vite oublier. En fait, on peut très vite s'amuser en fait, à le détourner ou à l'abîmer, etc. Et nous, c'est vraiment le don't par excellence. C'est qu'en fait, l'humour ne doit pas être au détriment du produit. Donc typiquement, quand on parle d'un produit, si il est trop gras, on ne va pas jouer sur le fait où c'est un produit très gras, très calorique, etc. C'est drôle. Mais derrière, quand les gens vont aller dans le supermarché voir les produits, ils vont dire « Ah, c'est un peu gras. » Et voilà. Donc, c'est hyper important quand même de réussir à trouver juste le milieu entre les deux. Et humour, pas au détriment du produit. Pour enchaîner là-dessus, le contenu, moi, que je crois que j'aime le plus, c'est les contenus pédagogiques. Moi, je suis un grand curieux. Je passe beaucoup trop de temps à regarder des documentaires, à passer du temps sur YouTube, etc. Et en fait, en gros, ce sont les contenus où vraiment je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée, une vraie prise de parole au nom des marques qui sont intéressantes. En fait, un contenu pédagogique, pour moi, c'est quoi? C'est un contenu dans lequel, en fait, on va apprendre des choses. Donc, pas forcément quelque chose d'utile qui va nous servir pour plus tard, etc., mais quelque chose qui va nous rendre curieux. Donc, qui va se dire, je prends l'exemple de C'est pas sorcier. On apprenait plein de choses avec Jamie, mais pour autant, on ne pouvait pas aller faire des volcans, faire des expériences tous les 4 matins. C'est un peu la même chose avec nos contenus pédagogiques. Ce qui est important, c'est en fait, de donner envie aux gens d'en savoir plus et du coup, vraiment de se positionner comme un expert. Typiquement, là, pour Poulet Talk, la vidéo à droite, elle a fait 56 000 vues. On explique juste pourquoi c'est intéressant de faire Le bénéfice de la cuisson en croûte de sel. Ça, ouais. Exactement. Et en fait, derrière, les personnes, ils ont aimé. Hein. Là-dessus, on est sur 3 000 likes pour 56 000 vues. Donc, ce qui est top. Une communauté qui fait 3 000 à 4 000 personnes aujourd'hui, je pense. C'est ça. Et pareil, à gauche, du coup, là, plutôt sur une façon d'utiliser. Donc, on bosse pour Signology, qui est une super box de dégustation de vin à l'aveugle, donc pour savoir de quel signe on est, donc savoir quel est le vin qui nous correspond le mieux. Et du coup, en fait, on l'a tourné avec un peu d'humour, mais aussi, surtout, avec une voix off et montrer comment ça fonctionne, le concept, de manière très pédagogique. Pour ça, ce qui est important, là, c'est vraiment la clé, une voix off si vous mettez de l'audio. Si vous ne mettez pas de voix off, c'est raté, ça n'a pas fonctionné. Il faut qu'il y ait peu d'informations, mais que derrière chaque information soit percutante. Ne soyez pas bavard, ça sert à rien d'être trop bavard parce que sinon vous allez faire un contenu qui est très long et peu intéressant. Et derrière, et moi aussi, je vais vous montrer après comment on peut réussir à le transformer en format texte et en format carrousel, un contenu qui peut très bien fonctionner aussi. Parce que vous allez me dire, on n'a pas tous un chef Nicolas dans sa cuisine, donc comment on peut faire pour réussir à gérer tout ça? Je rebondis juste là-dessus. On ne peut pas mettre suffisamment l'accent sur le fait que on est sur des formats courts qui doivent se consommer de manière dynamique. Donc, c'est vraiment une information courte et à valeur ajoutée. Il faut que le message soit clair. Il ne faut pas créer de confusion. Il faut que très vite, on comprenne de quoi on se parle, pourquoi on s'en parle. Et petite précision qui, pour moi, a son importance, on peut faire de la pédagogie sans se prendre au sérieux. Ce n'est pas incompatible. Hein. On peut apporter de la valeur ajoutée à son utilisateur ou à la personne qui va consommer le contenu et pour autant avoir quelque chose qui soit assez fun, assez spontané, assez naturel, si c'est cohérent par rapport au positionnement de la marque. Ce type de contenu, ça contribue aussi à positionner la marque comme
référence ou expert sur son segment de marché ou sur son domaine d'activité. Si c'est une des ambitions affichées par la marque, s'il y a un enjeu de pédagogie et d'évangélisation auprès du consommateur, c'est un bon moyen de le faire à travers des contenus qui sont simples, qui se consomment facilement, qui sont dynamiques et qui répondent aux codes et aux attentes des utilisateurs sur la plateforme. Du coup, j'ai vu, Adrien, tu avais une question du coup, pour ces contenus, si on pouvait les sponsoriser ou pas. En fait, dans nos stratégies à nous, c'est qu'en fait, on crée des contenus en organique et derrière, quand en fait, on trouve que c'est des bons contenus qui ont une valeur ajoutée pour la campagne, pour l'ads, c'est sûr qu'on les valorise. Thomas en parlera mieux que moi. Juste là-dessus, deux choses. Les stats qu'on met là, c'est sur des contenus qui ont été postés en organique. En l'occurrence, ils n'ont pas été sponsorisés. Mais oui, ça a du sens de valoriser grâce à la sponsorisation. Je suis tout à fait, enfin, je suis le premier à le dire. Tout ce qui apporte de la valeur ajoutée à l'utilisateur final peut avoir un moment sa place dans la stratégie de sponso. Si la sponso est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou dans le chat. Et on fera un autre webinaire sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est quand même assez vaste, qui peut vite devenir technique. Moi, je n'ai pas de problème à en parler. On pourra se refaire un autre webinaire sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. On fera une intervention là-dessus. J'espère qu'on a répondu à ta question, Adrien. On va pouvoir se garder un petit temps à la fin si tu veux en parler. Et après, on a le twist produit. Alors ça, c'est comment aller au-delà du produit. On est plutôt sur une dimension parfois RSE. Notamment pour certains de nos clients. Donc, en haut à gauche, vous pouvez voir pour Jean-Nicolas, en fait, le produit, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va le détourner donc avec une vision d'upcycling. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir coller avec l'univers de la marque et réussir à trouver comment on peut détourner le produit. Donc, en haut, avec Jean-Nicolas, on a fait des bocaux dans lesquels, en fait, on pouvait planter directement ces aromatiques. Donc là, c'est du persil, je crois. Yes. En bas à gauche, on en fait de Brasserie de Bretagne, du coup, avec la Dreamwell, un super jeu de Quidditch pour améliorer ces parties de beer pong. Donc, on va dire essentiel. Je pense que maintenant, vous savez comment occuper vos meilleures soirées. Ouais. Et avec les coquilles Saint-Jacques, derrière, on va créer des bougies avec, à partir du coup, avec la coquille. Donc, étape par étape, comment ça fonctionne. Donc, en gros, ce qui est important pour ça, c'est si vous faites de la vidéo décomposée d'étapes, si vous faites de la photo, soit vous pouvez faire un format carrousel, du coup, avec les différentes étapes qui sont présentes, ou sinon, en description, lister un peu comment ça fonctionne. Donc, des fois, il n'y a pas besoin non plus de faire une vidéo, hein, typiquement pour le Quidditch ou pour les bocaux, pour le persil. Bon, finalement, il n'y a pas besoin de vidéo, une photo fait très bien l'affaire. Mais d'ailleurs, c'est hyper important aussi de valoriser son produit de manière différente. Et là, ce genre de contenu, petite data qui est importante, souvent, ça génère beaucoup plus d'enregistrements sur terme et de partage que tous nos autres contenus. Donc, c'est des bonnes idées qui sont assez créatives et qui peuvent toucher aussi un autre public grâce à des hashtags type upcycling, etc. On va au-delà de notre audience. On répondra à la question sur le matériel qu'on utilise de Maxime, juste après, si ça te va, Maxime. Et du coup, vous êtes beaucoup à me poser la question à chaque fois. À chaque fois, on fait des formations avec Thomas. J'ai pas de photo. Je veux faire du contenu, mais j'ai pas de photo. Et ben, du coup, nous, on vous donne un peu la meilleure astuce aujourd'hui. Ben, comme tout, toutes les marques devraient parler comme des médias. On aime bien, c'est le format carrousel pédagogique. Le carrousel pédagogique, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, on va pouvoir, grâce à une sélection d'images, pouvoir donner de la valeur ajoutée. Nous, on a testé différentes tailles de police, etc., pour que ce soit lisible par les utilisateurs suivant les différents mobiles, etc. On a trouvé la bonne recette. Aujourd'hui, on sait que cette recette-là, elle fonctionne, que les personnes peuvent les lire. Surtout, ce qui est intéressant, du coup, avec le carrousel pédagogique, c'est que c'est comme un petit bouquin ou une petite histoire qu'on va lire. En fait, on va prendre 5 minutes, on va lire l'histoire, on va apprendre des choses. Et la plupart du temps, on va laisser un petit commentaire. Donc, ce qui est important avec ça, c'est raconter un sujet qui est intéressant. Allez pas me parler de quelque chose ou d'une information qui va vous intéresser que vous ou qui va mettre uniquement en avant la marque, finalement connaître pourquoi on utilise une technique spécifique qui est très complexe. Ça va forcément très intéressant. Je prends l'exemple, c'est un peu un exemple de formation. Si un scientifique commence à vous parler de ses compétences et de sa façon de gérer un volcan, etc., vous n'avez rien capté avec les formules, etc., ça va vous intéresser. Quand c'est un enfant de 4 ans qui va vous baragouiner en disant « c'est trop beau, les volcans, c'est tout... » ça va pas non plus forcément vous percuter, à moins que vous ayez une âme très proche des enfants, vous adorez ça. Moi, le meilleur exemple, c'est l'entre les deux, c'est le Jamy. Moi, je prends toujours l'exemple de Jamy, qui derrière va faire une petite explication un peu sympathique pour réussir à donner un côté divertissant et intéressant autour de l'approche. Donc, typiquement, nous, c'était l'histoire du métier de boucher.
on a tous envie de savoir pourquoi, comment ce métier est né et quelle est son histoire. Et du coup, bah, je vous invite à aller voir le compte de Mon Boucher est un artiste sur Instagram. Et après, on finit toujours par le dernier slide qui est intéressant. C'est qu'en fait, on fait des appels à l'action donc, sur ces slides-là. L'intérêt de tout ça, c'est d'inciter les gens à mettre des commentaires, à pouvoir enregistrer ou partager le contenu. On a même un petit truc drôle, là. C'est Guillaume chez nous qui a eu l'idée. Il a fini par un petit viandé. Donc, on attend la fonctionnalité sur Instagram prochainement. On leur a fait la suggestion, on leur a proposé de rajouter la possibilité de viander. On ne sait pas trop ça, on n'a pas de nouvelles. Donc, contenu simple, grâce en fait, vous avez juste besoin du texte. Faire de la créa, vous pouvez même utiliser Canva, des fois, il y a des templates, des templates qui marchent bien. Et des banques d'images pour réussir à illustrer vos différents sujets qui existent. Là-dessus, je rebondis. Pas la peine de faire... Alors, de toute façon, sur la plupart des plateformes, vous êtes contraints en termes de nombre de slides, mais ne me faites pas 10 slides pour me faire 10 slides. Si ça peut tenir en 4 ou 5 slides, c'est très bien. L'idée, c'est d'avoir un message à faire passer, d'avoir bien préparé la rédaction, c'est quoi les points clés que vous voulez aborder à travers ce format-là, et après ensuite de faire en sorte que ce soit lisible, une slide, une info, ça sert à rien d'en mettre partout. Si c'est compliqué à consommer, vous mettez des barrières à l'entrée pour l'utilisateur et vous risquez de perdre les gens. Ils vont arriver deuxième slide, ils vont voir quatre bullet points et pas d'image, et ils vont se dire « Ok, bah, j'ai pas le temps de lire ça ». J'y reviendrai plus tard et en fait, ils n'y reviendront pas. Donc, simplifiez et soyez très au clair sur l'objectif de la prise de parole en amont. Alors, du coup, vrai travail de rédaction. Donc, un beau travail de veille et de rédaction sur chacun des contenus. En parlant de rédaction, on ne l'a même pas répété. Je vais revenir brièvement sur deux frameworks qu'on utilise assez régulièrement et que vous connaissez peut-être déjà pour certains d'entre vous si vous faites déjà un peu de rédaction web. Le premier template qu'on utilise, c'est AIDA, donc qui est très répandu. Vous l'avez déjà sans doute vu passer sur LinkedIn, dans des articles sur les bases du copywriting. Mais il y a une raison pour laquelle ces deux frameworks-là reviennent. C'est parce qu'ils fonctionnent. On sait qu'on peut accrocher la personne à la première ligne et qu'elle va essayer d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez à lui dire. Donc, attention, intérêt, désir, action. J'ai envie de dire les deux parties qui sont les plus importantes pour moi, c'est attention, action. Si vous n'arrivez pas à accrocher l'attention de votre utilisateur ou de votre lecteur dès le départ, bah, vous n'aurez aucune chance de pouvoir lui présenter ce que vous avez à lui dire, qui en fait est le cœur de la publication, intérêt et désir. Et en même temps, si vous ne faites pas en sorte que l'utilisateur entreprenne l'action que vous voulez qu'il entreprenne, à savoir partager la publication, commenter pour générer de l'engagement, essayer de faire en sorte d'améliorer la visibilité organique du poste, et bah, aussi bien l'utilisateur va se dire bah, c'est très bien, j'ai consommé l'information, c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses, mais faites-lui savoir ce que vous attendez de lui concrètement et vous avez d'autant plus de chances de le voir entreprendre l'action que vous voulez lui faire entreprendre. Le deuxième framework qui est souvent utilisé, c'est PAS, problème, alors à la base l'acronyme est en anglais, mais c'est Problem Agitate Solution, qu'on a grossièrement traduit en français. L'idée étant là plutôt d'appuyer un peu sur une problématique très précise. Par exemple, si je reprends l'exemple de Poulet Talk sur la cuisson en croûte de sel, on aurait même pu angler le truc un peu différemment. Là, on l'a fait sur les bénéfices et les bienfaits de la cuisson et l'intérêt de ce procédé. Mais on aurait pu dire, si tu es chef et tu n'arrives pas à faire cuire ton poulet en croûte de sel, ou tu es apprenti chef et tu n'arrives pas à maîtriser la cuisson en croûte de sel, voilà quatre astuces que Poulet Talk te partage pour réussir l'exercice. Et là, on aurait pu avoir quelque chose où on part d'une problématique de l'audience qu'on cherche à toucher. On appuie sur un peu là où ça fait mal pour lui dire « reste avec nous parce qu'on va te donner la solution ». Et à la fin, on lui délivre les tips sur comment résoudre sa problématique. Et en faisant ça, on lui a apporté de la valeur ajoutée, on crée de la bonne volonté du côté de l'utilisateur et on se positionne dans sa tête comme une référence à suivre sur ces sujets-là. On a une petite question sur les hashtags, Thomas. Oui. De la part de Alice. Coucou Alice. On va faire rapidement. Ouais. Mais en fait, c'est un vrai sujet, les hashtags, qui pourraient être un webinaire presque seul. Mais derrière, ce qui est intéressant avec ces stratégies-là, c'est de ne pas forcément en abuser trop. Donc en fait, on fonctionne vraiment avec des hashtags. Il faut regarder le nombre d'utilisation de ces hashtags-là. En fait, on va fonctionner par... je sais pas comment tu le dis, toi. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un système un peu d'entonnoir. L'idée, c'est de se rappeler que les hashtags, c'est un système d'indexation du contenu pour la plateforme. Ça lui permet à un moment de comprendre de quoi vous parlez et de s'assurer que quand des gens sont intéressés par la thématique que vous abordez dans votre contenu, ils puissent le retrouver facilement. Donc déjà, essayer de se positionner sur des hashtags populaires qui n'ont aucun lien avec votre contenu, c'est non, parce qu'en fait, ça fait juste créer un effet déceptif. La personne va taper le hashtag. Imaginons que votre contenu ressorte, elle va vouloir cliquer dessus, elle va se rendre compte qu'en fait, par rapport à ce qu'elle cherchait, vous n'êtes pas du tout dans la thématique. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un système de strates.
de se dire à chaque hashtag est associé un volume de publication, c'est-à-dire qu'il y a des hashtags qui sont plus populaires que d'autres. En général, les hashtags très généralistes, il y a un volume de publication associé qui est énorme. Du coup, vous, en tant que créateur de contenu, si votre communauté n'est pas très grosse, ça va être compliqué de ressortir parce que c'est des hashtags sur lesquels se positionnent des gens qui ont des communautés bien plus importantes et avec des contenus qui génèrent beaucoup plus d'engagement. Après, ça peut être intéressant de les inclure pour envoyer le signal à la plateforme que vous, vous souhaitez vous positionner sur cette thématique-là. Mais l'enjeu, c'est aussi d'avoir des hashtags qui sont beaucoup plus précis, sur lesquels il y a des volumes de publications qui sont moins importantes et sur lesquels votre contenu a une chance d'émerger. Et en fait, après, c'est un système un petit peu de cercle, alors pas concentrique, pour le coup, excentrique. Si votre contenu performe sur un hashtag très spécifique, l'algorithme va comprendre que par rapport à ce hashtag-là, votre contenu est pertinent, qui génère de l'engagement et donc il a intérêt pour l'utilisateur. Et il va ensuite élargir petit à petit à des cercles d'audience de plus en plus grands et des hashtags de plus en plus généralistes. En termes de bonnes pratiques, nous, on recommande de ne pas en mettre plus de 10. Et si je devais vous donner une règle un petit peu à la volée comme ça, c'est 3 hashtags avec des volumes de recherche assez importants, 3 hashtags avec des volumes de recherche moyens, 3 hashtags assez spécifiques avec des volumes de recherche un peu moins importants ou des volumes de publication associés un peu moins importants. Comme ça, on se donne la chance d'avoir de la diffusion du contenu en partant du très, très spécifique pour aller vers le plus général. J'espère avoir répondu à ta question, Alice. Donc, il y a encore mille et une façons de mettre en avant des produits. On a montré les principales. Voilà, il y a plein de choses à tester, plein de choses à créer. On travaille sur de la valorisation du food service pour des clients en B2B dans la restauration sur différentes plateformes, notamment sur LinkedIn. On a parlé assez peu de création de contenu sur LinkedIn qui pourrait être un sujet à part entière. Pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous nous le dites dans le chat, on se le note en sujet et ça fera partie des prochains webinaires puisque l'approche peut être un peu différente. La manière de créer des contenus ou de réfléchir des stratégies éditoriales est un petit peu différente. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous voulez qu'on creuse, dites-le nous et on le fera avec plaisir. Il y a un autre sujet auquel on n'a pas parlé, c'est aussi la création de contenu par les influenceurs. Donc, quelque chose aussi qu'on valorise beaucoup. Donc, on crée un brief qui correspond à la charte, etc. Et on rémunère les influenceurs pour qu'ils créent du contenu, voilà, pour qu'on puisse s'engager, notamment avec le mode collab sur Instagram. Et l'autre partie qui est importante, c'est les UGC, donc User Generated Contents. Donc, comment faire pour que votre communauté reproduise vos recettes et vos contenus pour réussir à mettre en avant vos plats. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de valoriser au maximum, notamment en story, avec des hashtags spécifiques. Donc, ça a du sens aussi dans le cadre de stratégie d'achat média. Ça fait des très bonnes créas. Pour peu qu'on ait un format qui colle avec les attentes sur la plateforme, et ça peut être des très bonnes créas diffusées en publicité, puisqu'on capitalise sur un levier qui est hyper important, qui est la preuve sociale, et ça envoie le signal que le produit dont vous faites la promotion a déjà été adopté et qu'il a déjà été validé par d'autres personnes. Et c'est pas juste toi, Marc, qui dit « mon produit est top, viens l'essayer », mais plutôt le consommateur qui dit « le produit est top, allez l'essayer ». Donc, c'est hyper intéressant. Des leviers activés, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on pourra en parler. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui est intéressé, bah Maxime qui est intéressé pour la création de contenu sur LinkedIn. Eh bah Maxime, c'est noté juste pour toi, on fera un webinaire spécial création de contenu LinkedIn. Et du coup, donc si vous avez des questions, c'était le moment. Je peux revenir déjà sur la question de Maxime sur le matériel. Donc en fait, nous, on crée un bon mix. Pour moi, en fait, le matériel qu'on utilise, il doit être au service du contenu. Donc, jamais l'inverse. Donc, en fait, on ne va pas créer du contenu au smartphone pour créer du contenu au smartphone ou au boîtier, etc. On va nous créer principalement du contenu avec un boîtier, donc photo ou vidéo. L'idée, c'est vraiment de créer un desktop professionnel qu'on puisse utiliser. C'est plus confortable pour nous parce qu'on va passer pas mal de temps en post-prod, donc il faut qu'on puisse avoir les bonnes fonctionnalités et les bons retours. Voilà, plus d'images par seconde, plus de possibilités, plus de capteurs. Meilleure résolution. C'est ça, plein de solutions. Par contre, des fois, il y a des contenus. Hein, typiquement, on a pu voir le contenu fait par Jeanne-Héloïse pour la FENA, qui est une photo, mais une vidéo vue de dessus, bah, c'est fait au smartphone. Donc, des fois aussi, on n'est pas con dans le sens où on va utiliser tout le temps des boîtiers. Voilà. Là, quand on utilise un smartphone, on va dire qu'on va devoir être encore plus vigilant sur des points comme la lumière, sur la composition. Donc, c'est important. Et après, maintenant, aujourd'hui, les smartphones de dernière génération, ils permettent de faire des contenus assez cool. Et après, voilà, il y a des petits éléments de plus qui peuvent être intéressants, notamment pour le son. Par exemple, des petits micros qu'on peut capter dessus. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas eu tout parlé dans les vidéos, mais je l'avais mis en description d'une publication. Mais en fait, c'est important aussi de distinguer aujourd'hui quand on crée un contenu avec les tendances, la musique, etc. C'est clé. Aujourd'hui, bon, Instagram et Facebook ils sont un peu plus chiants avec ça. C'est que si on veut valoriser un contenu après en ads, il faut que la musique soit libre de droit, essentiel.
Donc ça, c'est un peu plus compliqué et c'est contraignant pour nous au quotidien. On pourra partager, si on fait un webinaire sur la sponsor, on a une ressource avec les do et don't en fonction des formats, ce qui est possible de pas ou faire, possible ou pas de faire pour valoriser les contenus en sponsor. Donc je pense qu'on pourra revenir dessus sur une autre prise de parole, parce que je vois qu'on est déjà à 1h02, qu'il est midi et demi, que vous devez commencer à avoir faim. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et juste sur la question du matériel, il y a aussi un principe de réalité, hein. Vous êtes peut-être contraint par le matériel auquel vous avez accès parce que vous travaillez dans une entreprise qui n'a pas les moyens d'investir sur du smartphone ou sur des boîtiers ou des choses comme ça. Comme le disait Benjamin, on peut déjà faire des trucs très très bien avec un smartphone. Il faut juste réussir à se dire quelles sont mes contraintes, comment je peux essayer de faire avec par rapport aux prises de parole que j'ai envie d'avoir, et puis d'essayer de créer du contenu avec ce qu'on a sous le coude. On peut déjà faire des trucs très cool. Ouais, du coup, Alice, on parle beaucoup d'Instagram, c'est sûr, parce qu'en fait, on pense toujours Instagram first. Instagram, c'est le média qui est le plus contraignant au niveau des formats. Parce qu'en fait, il faut que le feed soit toujours, on va dire, très carré. C'est important, harmonieux. Et harmonieux, etc. Et c'est assez important. Donc, du coup, en fait, on pense toujours Instagram first. Et après, on va décliner les contenus sur les différents réseaux sociaux. Donc, on va les adapter, du coup, à leurs contraintes, notamment sur Facebook, LinkedIn, TikTok. Ce qui est cool sur TikTok et notamment sur YouTube Shorts, c'est que tous les contenus réels qu'on peut créer sur Instagram, on peut facilement les dupliquer sur les autres plateformes. Donc, avec une stratégie différente et adaptée, notamment sur les hashtags, sur la description et sur l'ordre de publication. Et là-dessus, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que je vois que tu parlais de Facebook dans ta question. Il faut aussi se rappeler que Facebook, il y a des fonctionnalités, même si la portée organique sur une page entreprise est peut-être un peu compliquée aujourd'hui, mais il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent avoir du sens pour peu qu'on se pose la question de savoir comment on le valorise dans la stratégie de la marque. Je pense notamment à la création d'événements, je pense aux groupes privés, qui sont des moyens aussi de contourner la chute de portée organique qu'on a pu voir ces dernières années sur la plateforme. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'il y a des différences d'audience. Instagram, on est sur une audience qui va être peut-être sur du 18, 20, 45 ans, mais passé 45, 50 ans, il y a encore une grosse partie des gens qui sont sur Facebook. Donc, il y a peut-être un intérêt pour la marque que vous représentez à être sur Facebook, parce que l'audience que vous cherchez à toucher sera plus présente sur Facebook que sur Instagram et ne sera pas du tout sur TikTok. TikTok, c'est intéressant parce que grosse portée organique, algorithme qui pousse du contenu dans tous les sens, mais ça suppose aussi un volume de prise de parole qui est ultra conséquent. Et toutes les marques n'ont pas les ressources pour aller créer 1, 2, 3, 4, 5 TikTok par jour, ce qui aujourd'hui est quand même un peu le prérequis pour essayer d'avoir une vraie grosse croissance en organique. Donc, il y a aussi, faut prendre en compte les contraintes de la marque pour savoir si ça a du sens ou pas d'aller sur une plateforme plutôt qu'une autre. Du coup, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir finir là-dessus. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, du coup, pas hésiter à nous les lister là, du coup, en commentaire. Anthony va les prendre en note et on pourra organiser d'autres webinaires là-dessus. Vous aurez accès, du coup, au replay et au support. Du coup, il suffit juste de nous laisser votre adresse mail, pareil, en commentaire. Là-dessus, c'est assez important. Et surtout, on va finir là-dessus. Hein. Et on vous souhaite bon appétit. J'espère que ça vous aura été utile. Merci pour votre temps. Je vois qu'on n'a pas perdu trop de monde en cours de webinaire, donc ça, c'est super cool. Très content, une bonne quarantaine de personnes avec nous aujourd'hui et vous êtes globalement quasiment tous restés jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup et on espère que ça vous sera utile et que vous avez appris 2-3 trucs pendant cette heure passée avec nous. Donc, ouais, à la fin du slide, du coup, vous pourrez retrouver du coup nos coordonnées. Donc, si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous ajouter même sur LinkedIn ou par mail ou par téléphone. Voilà. On se dit à très vite. Bon appétit. Bon appétit. Merci à tous. À bientôt.